التعليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو الجديد، إذا هذا الفيديو موجه لتلاميذ جد مشترك دونك بيوف. دونك كومبليت لو تابلو سويفون. دونك لاتوم او ليون ici. دونك فوالا زد، دونك النيميرو اتوميك، نومبر ديليكترون، نومبر ديليكترون et la structure électronique. Maintenant, on passe à l'hélium. Donc, c'est pour l'hélium, donc HE 4-2. Donc, c'est quoi 4 dans ce cas? Donc, le 4, c'est le nombre du nucléon. 2, c'est Z. Dans ce cas, c'est Z. Donc, c'est un atome. Donc, Z égale à 2 dans ce cas. Donc, pour un atome, le nombre, pour un atome, j'ai un atome ici, donc le nombre des électrons, c'est 2 aussi. Donc, c'est Z, dans ce cas, c'est le nombre des électrons. Donc, pour un atome, hein, donc c'est 2. Donc, la structure électronique, donc la répartition des électrons, donc c'est uniquement c'est K2. Donc, la couche K, il est saturé. Ok, voilà la structure électronique. Maintenant, pour le silicium. Donc, le silicium, donc, le nucléon de cette, donc, le nucléon de noyau de silicium, de l'atome de silicium, c'est 28. Donc, 14, c'est le numéro atomique. Donc, c'est 14. Donc, c'est ça, c'est Z égale à 14. Ok. Pour les numéros, un nombre d'électrons aussi, c'est 14 aussi. Donc, on va faire la répartition de ces 14 électrons. Donc, si on met K2, L8, donc on a 10 ici, et M, la couche M, c'est on met ces 4. Donc, on dit que la couche externe pour le silicium est non saturée. Ok. Maintenant, on passe ion de nitrure. Nitrure. Donc, le nitrure. Donc, regardez ici. Donc, ça, c'est un ion. Dans ce cas, un ion. Donc, N3-, donc c'est un ion, plus exactement, c'est un anion. Donc, l'atome de nitrogène, a gagné 3 électrons. Regardez ici. Donc, il y a un excès d'électrons ici. Un excès des électrons, donc il y a un excès de charge négative. Ok, il y a un excès de charge négative. Donc, dans ce cas, regardez Z, bien sûr, c'est même Z, donc c'est ça, c'est 7, donc c'est Z, c'est 7. Mais dans ce cas, le nombre des électrons, c'est 7 plus 3. Pourquoi? Parce que l'atome du nitrogène a gagné 3 électrons. Donc, normalement, l'atome de nitrogène a 7 électrons. Mais quand il a gagné, donc il est devenu un ion. Il y a un ion salib, comme on dit. Donc, c'est un anion, un ion. Donc, ça veut dire que le nombre des électrons pour cet ion est 7 plus 3, qui est égal à 10 électrons. Donc, regardez ici. Donc, on va faire la répartition. On a la structure, il y a une binière électronique. Donc, ça, c'est K2, L8,
toujours à l'oliden, toujours pour les ions, toujours la couche externe est saturée. Pour les ions, hein? Donc toujours la couche externe est saturée. Donc voilà, K2 et 8. Donc ça, c'est vrai. Donc on a 10 électrons ici. Donc on passe le sulfure. Donc ça, c'est un ion. Donc ça, c'est un ion. Donc c'est un anion. Donc le nombre atomique, donc c'est 16. Regardez ça, c'est 16. Mais le nombre des électrons, donc l'atome du soufre a gagné 2 électrons. Donc 16 plus, donc normalement il y a autant de protons que des électrons. Par exemple, le soufre, donc il y a 16 protons, aussi il y a 16 électrons. Donc la charge des électrons, donc bien sûr c'est moins 16 E, la charge du noyau c'est plus 16, plus 16 E. Puisque cet atome a gagné 2 électrons, donc il devient ici 18. Ça c'est 18 électrons, le cortège électronique. Donc c'est 18. Donc maintenant c'est un anion. Donc l'anion. Donc, il a 18 électrons dans le cortège électronique et 16, toujours 16 protons comme l'atome aussi. Donc, dans ce cas, donc il y a 18 électrons. Et on va répartir. On va répartir ces électrons. Donc, c'est K2. L8, M8. Donc, sachant que 8, donc c'est une couche saturée. D'ailleurs, le maximum de la c'est 8. Donc, le soufre, donc ça c'est le sulfure, دائما لا كوش اكسترن مشبع كاع الايونات باش نتفاهموا عليها دونك تو لي زيون اون دي دي كوش اكسترن ساتور دونك لو ليتات جو باس دونك سا سي لاتوم دو فلور دونك سا زد ايغال ا 9 Aussi pour l'atome, donc il y a autant de protons, il n'y a que 2 électrons, donc il y a 9 aussi. Donc ça, c'est K2, L, donc L reste ici 7. Ça, c'est une couche non saturée dans ce cas, donc ça, c'est un atome. Pour l'oxygène aussi, donc il y a Z égale à 8, les électrons, il y a autant d'électrons que des protons pour l'atome. Donc il y a 8 aussi. Donc voilà, K2, L, 6. 6 plus 2 donne 8. Maintenant, c'est le chlorure. Donc le chlorure, donc l'atome du chlore a gagné un électron. Donc voilà, Z est toujours, c'est 17. Mais le nombre des électrons, c'est 18. Donc, dans ce cas, l'atome du chlore, donc, l'atome du chlore a gagné. Donc, le chlore a obtenu électrons. Et on a 18 électrons. OK? Donc, voilà. La structure électronique, c'est K2, L8, M8. Donc, toujours à l'olidate, on a. L'ionate d'Aïman Endhom, la structure électronique, donc la couche externe, est toujours saturée. Pour le beryllium, donc c'est Be, donc Be de plus, donc Z est toujours égal à 4, mais ici, regardez ici, l'atome de beryllium a perdu 2 électrons. L'atome est né à Fredat lié juste l'électron. Il y a un canon 4, réouloué, juge l'olidate. Ok? Donc voilà. Donc la distribution, la répartition de ce 2, c'est
uniquement K2. Donc, il subit la règle de Dewey. Tous les liens, l'hélium. Ça, c'est comme l'hélium. Monsieur le phosphore. Donc, le phosphore, donc, il a 15. 15, c'est Z égale à 15. Pour un atome, il y a autant de protons que des électrons. قد الالكترونات قد البروتونات في الذرات دائما دون سو كا غنستعمل دونك سي كا دو ال 8 ام دونك il nous reste 5 ici ça c'est 5 donc pour l'aluminium donc vous avez déjà fait l'aluminium donc ça c'est 13 donc ça c'est z égale à 13 nombre des électrons c'est toujours 13 mais voilà K2 L8M3. Donc, أعزائي حتى إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أعزائي التلاميذ إذا عنده شي سؤال طبعا الحال وضعوا لي في التعاليق وأنا تحت راني إشاراتكم إن شاء الله إذا دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله لا تنسونا من الدعاء ودعم الفيديو والقناة بلايكاتكم و ونشرها أمام بين أصدقائكم حتى تعم الفائدة للجميع. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.